parole, c'est libération, débranche. Oh, yeah, I'm feeling great.
besties, on vient d'arriver à Mykonos et on est en amour. Fait que ça c'est notre suite, on a la toilette, douche, évier, comme a little wardrobe area. Ensuite on a le lit avec la télé. Petit salon, ils nous ont amené genre des trucs pour la honeymoon, de l'alcool, un vino. Et that's the best part! Oh my! Je suis là naked, but I have a swimwear top. Pour vrai, c'est tellement, tellement beau. Je capote. Honnêtement, à date, on a juste fait deux îles, mais ça c'est mon hôtel. Bref, genre, on a notre propre piscine. On a vraiment comme the luxury vibe that we want and need from Greece. Puis le service incroyable, genre... That's the way I like to travel. Moi j'aime ça. Genre, si vous avez écouté mon Miami vlog, à date, dans tous mes hôtels, il y avait des robes, des pantoufles. On amène mes valises, j'ai full service pour vrai. T'es-tu content? Vraiment. Besties, on est arrivé au Super Paradise Beach Club et définitivement, on recommande la place. On avait booké online puis on avait prepaid deux sunbeds en avant. First row of the beach. On vient de se commander un lunch. On a pris la salade grecque, la burrata grecque. On mange tout le temps des trucs typiques grecs ici, ok? Why not? On vient de se prendre une deuxième bouteille de la même sorte, une autre bouteille d'eau. Puis, we're living our best life. Ça s'est un peu plus rempli que ce matin. But it's perfect. It's living the life, besties. C'est la vie qu'on a manifestée quand on était aux études. On travaillait tellement fort. Puis maintenant, on se regarde, on est comme, tu te rappelles qu'on était aux études, puis on avait hâte d'être ici. Un bébé! Puis on se donne des cheers, puis on est comme, cheers! On est rendu, on a notre argent d'adulte, on a nos études. On peut party, puis enjoy, puis manger de la bouffe grecque. Ça me gosse tellement quand les LED font ce genre d'effet que vous venez de voir. Mais je vais vous montrer, on est arrivé à IOS. C'est la plus belle chambre à date qu'on a eue, in my opinion. Fait que quand t'arrives, t'as un gros hall d'entrée. C'est vraiment grand. Puis ici, t'as comme une section pour le café et tout. Puis là, t'as la salle de bain. Very luxurious. Genre, tous les produits, les serviettes, les comptoirs, l'évier. Comme vraiment, vraiment wow. La douche. Grosse douche. Gorgeous. This is a gorgeous, gorgeous, gorgeous bathroom. Pour vrai, obsessed. Ici, on continue le tour. Puis, fun fact, besties, on est les premiers à utiliser cette chambre. C'est neuf, ça vient juste d'ouvrir la semaine passée. Fait qu'on est les premiers à l'utiliser. Ici, on a un lit king. On a un petit couch area. Et ici, si ma caméra peut focus. Oh, je pense qu'elle a cogné, bébé. Gab qui tenait la porte. Et ici, on a the lounge area for breakfast. On a notre propre private pool. I'm freaking out pendant que je vous montre ça, besties. This is like a dream of mine to be able to be here and afford this. Genre, what the hell is my life? Et on a une piscine, la section comme tanning. Puis ici, on a comme outdoor little kitchen area. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive que je suis la première à utiliser la balle d'une chambre d'hôtel. J'ai dit ça à Gab, je suis comme ça, m'est jamais arrivé dans ma vie d'être la première. Ils ont ouvert la chambre, spécialement quand on est arrivé. Elle avait jamais été ouverte, jamais été dormie dedans. On n'a pas de voisins, on est les seuls dans le complexe. Au début, j'étais comme ça, fait un petit peu peur parce que dans le fond, il y a comme un sister hotel. Fait que là, il y a Grand Ios,
Puis nous, on est dans le Grand Suite Pool. C'est juste des petites villas, des petites pools. Mais on est comme le sister hotel du main hotel, comme que des kids, que mais c'est plus un hôtel genre familial et tout. Puis nous, on est comme dans la partie suite. Mais regardez, je vais juste vous montrer à quel point c'est un peu creepy, dans un sens que genre il y a littéralement rien. Ça, c'est les suites en bas. Les piscines sont même pas ouvertes. Il y en a deux là-bas remplies, mais elles sont genre vertes. Je sais pas si vous voyez, les meubles sont tous emballés là-bas dans le coin. Je sais pas si ça paraît, mais genre tous les meubles sont emballés. Il y a comme legit rien. Le driveway, ça va comme être un driveway ici, il est comme en construction. Puis ça va être un stationnement. Puis ça, c'est comme un autre hôtel, ça n'a même pas rapport. Fait qu'on est comme la seule chambre complète. Puis, I love it, mais je veux juste vous montrer à quel point. Comme si on passe par ici, faut pas que t'aies peur là, parce qu'on est les, genre les seuls à dormir. On a a little shower. Puis, admettons, éventuellement ici, il va y avoir d'autres guests. Mais regardez ça. Ça, c'est genre une autre suite. Toute ouverte, toute en construction. Comme, faut vraiment pas que t'aies peur de dormir seule. Parce que on est les seuls dans le complexe. Oups, je peux repasser par là. Ok, je repasse par là. C'est quand même fou. Eh bien, je viens de voir, on a une grosse douche là. On est encore en train de visiter notre chambre. Parce que la chambre est vraiment, vraiment grande. Désolée pour le bad light. Je m'en viens m'asseoir à côté de mon mari. Oui, il dit ça. Mais la chambre est tellement grande pour une chambre d'hôtel. Pour vrai, la superficie en pied carré, vraiment grande. Puis on est en train de souper. And it's so yummy. Mm. Santé, avec la vue. Mm-hmm. Santé, mon amour. Good morning, besties. I just got out of the shower. Il est 7h30. Puis je vous avouerais que je suis pas capable de dormir tard. Même si je suis en honeymoon, Gab il dort encore. J'ai eu le temps de me laver, j'ai fait un light face make-up, puis je chill sur le lit extérieur de notre hôtel. Je sais pas si vous entendez le petit bruit de l'eau, mais je trouve ça vraiment relaxant. Je suis arrivée à Paros. On est au Parox Luxury Hotel and Spa. Définitivement, je rebookerai exactement la même chambre. C'est la 301 si jamais vous êtes intéressé. Et j'ai dit à Gab que pour notre prochaine maison, je voulais une chambre exactement dans ce genre de statique. Pas avec la mosaïque en arrière, mais j'adore l'arche. Puis t'as ton lit, puis t'as un little nook avec la télé. Vous allez voir dehors, c'est juste insane. La superficie aussi en pied carré. Si vous avez déjà beaucoup voyagé dans des hôtels, as you guys know, I love hotels more than anything. J'ai juste des Airbnb quand je suis avec Milo parce que c'est plus facile pour les chiens, mais j'aime la superficie. Fait que dès que tu rentres, t'as tellement de place. T'as un little nook area. Ici, il y a comme un little mini bar section. Puis ça, ça connecte aussi si vous êtes avec vos enfants ou quelque chose. Il y a comme une autre suite. Fait que première section, quand vous arrivez, je sais pas si ça va focusser, mais vous allez voir, je vais aller dehors avec vous après. On a la télé et tout, puis le petit lounge avec le lit king. Et quand on tourne à gauche, il y a une section avec genre un closet, like little walk-in area. Puis la salle de bain avec un autre nook, genre make-up corner, little get-ready nook.
Ici, il y a la douche. J'adore les matériaux. Je sais pas si ma caméra va bien capturer, mais c'est tout like a washed beige béton. Je trippe. Après, l'évier avec les lumières en dessous, l'évier double de même. Pour for my next house. Là, je vais vous montrer la best part of the suite, qui est la folle terrasse. Pour vrai, à date, on a tout le temps eu des insane terrasses. J'ai vraiment hâte de voir the kind of footage I have on this vlog. To be quite honest, ça a tellement pas été notre priorité, vlogger, puis même faire du content. Oui, j'ai eu beaucoup de photos, comme on était capable de faire des photos, mais en même temps, genre, je fais mes photos genre à la fin de la journée. Et comme là, ça fait 2-3 jours qu'on est à Paris, je pense, puis j'ai même pas fait une photo encore. Souvent, je fais mes photos genre la dernière journée avant qu'on quitte l'île, which is not really the best strategy, mais on dirait que je suis tellement dans le moment présent. Puis c'est ça, je me suis dit que j'allais éditer le vlog dans l'avion puis avec le footage qu'on a. Puis je vais prendre le temps quand je vais revenir à la maison de vraiment m'asseoir puis je prends des notes dans mon cell de genre les best restaurants, tout ce que je recommande, mon opinion sur chaque île parce que vraiment chaque île est différente. On en parlait même Gab et moi hier au souper, ok, quelle île on reviendrait, quelle place, la bouffe qu'on a aimée, les recettes toutes qu'on voudrait refaire à la maison. Fait que bref, je prends vraiment plein de notes. Puis là aujourd'hui, c'est ça, c'est notre troisième journée à Paros et on s'en va explorer plein d'îles. Puis, pas d'île, plein de plages. Fait que je trouve vraiment c'est cool parce que l'activité à Paros que je m'étais fait le plus recommander, c'est vraiment de louer un 4 roues parce que t'as vraiment l'autonomie puis tu peux te promener partout. Puis ici, c'est comme un peu plus campagne. Fait que c'est pas tout à proximité, tu peux pas vraiment marcher. Puis tous les villages sont quand même split out un peu. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait le 4 roues pour avoir l'autonomie, la liberté d'explorer les villages. Puis on est allé magasiner dans les local shops, on a acheté déjà plein de goodies pour la maison. C'est ici que je trouve que j'ai trouvé les plus belles affaires. À Santorini, je me suis acheté 2 bracelets, mais je trouve que les bijoux que je me suis acheté à Paros, comme je me suis acheté cette croix-là, je me suis acheté ce médaillon-là, c'est tout de l'argent 9,25 plaqué. Puis il y a vraiment plus de choix, je trouve, à date. Au niveau des bijoux, j'ai acheté aussi ce bracelet-là avec des yeux. Puis ceux que j'ai acheté à Santorini, je les ai revus un peu partout. C'est souvent comme les mêmes fournisseurs, j'ai l'impression, mais ici, je trouve ça vraiment différent. On a acheté des bols pour la maison, on a acheté des coasters. En tout cas, je te montrerai ça. Puis je trouve vraiment qu'il y a plus de trouvailles puis de shops un peu plus personnalisés ici qu'à, mettons, je trouvais dans les autres îles, c'était peut-être plus commercial, moins comme low-key. Ici, c'est vraiment low-key à Paros. Puis demain, notre ferry est vraiment tard. Nos ferries sont quand même tard, fait que ça fait qu'on a comme quand même aussi l'avant-midi pour profiter. Fait que là, on va aller essayer de trouver un nice beach qu'on aime. Puis c'est pas mal ça le plan de la journée. You and I, we're complicated more than ever. Every day is something new. Ooh, there's no winner. I should've known when you lied for me, lied for me. You made me feel like you were right for me and typically you come right back to me, back to me. Something's gotta change, girl, my heart mixed with my brain. I must be crazy for you. Crazy things I do only for you. No one calls me crazy like you do. Stand up all of you with someone new. Ooh, I must be crazy for you. I must be crazy for you. You and I make the worst seem better. It's crazy what your love can do. Ooh, for the pleasure. I should've known when you lied to me. Hey besties! Ok, je viens de remarquer qu'il faut jamais mettre des boucles d'oreilles. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi si j'ai pas de boucles d'oreilles, I feel naked. Enfin, j'en ai mis des boucles d'oreilles, mais là on est présentement en Crète. Et j'ai presque pas vlogué à date, mais hier on a eu the best day ever. On a vraiment splurge puis on s'est payé un private yacht charter. Puis moi puis Gab, on aime vraiment écouter la série sur Hey You, ça s'appelle Below Deck. Puis c'est genre, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est comme une télé-réalité de toutes des crew members qui travaillent sur des gros yachts, genre des insane yacht, puis on écoute tout le temps ça. Hier on avait genre une petite crew avec nous puis on se sentait vraiment comme sur cette émission là, en tout cas c'était vraiment cute. On a vraiment eu la best day ever. Je vous ai inséré des petits clips juste comme to kind of share it.
Mais c'est ça, là, aujourd'hui, c'est la deuxième journée en Crète. Puis on a comme fait une petite erreur, OK? Toutes nos îles qu'on a bookées à date, ils étaient insane. Mais on n'a pas full fait de recherche sur la Crète. On a booké juste 3 jours. Mais la Crète, toutes les belles choses à voir. Comme je vous dis, on a juste booké nos hôtels puis nos spots. Mais toutes nos activités, on les a bookées genre le jour même ou comme la veille. On avait planifié aucune activité. Fait que toutes les activités que vous avez vues à date dans le vlog ou dans mes stories, c'était vraiment des choses genre last minute, genre le yacht. C'était comme sur le coup, OK, vous avez une cancellation, let's go, on le prend, on embarque. Comme c'était tout le temps dans la minute. Fait qu'on a rien prévu pour la Crète. Puis à date, tout ce que je me suis recommandé de voir, c'est genre à 3 heures de route, 4 heures de route. Là, on est à Héraklion. Puis tout est vraiment loin. Fait qu'hier, on est allé faire, comme je disais, le yacht jusqu'à la petite île qui s'appelle Dia. Puis si vous avez déjà écouté le film Hercule, quand vous étiez jeune, moi, c'est un de mes films préférés. Il nous a tout expliqué l'histoire de Zeus qui est venu en Crète parce que son père mangeait, genre Cronos mangeait les enfants. En tout cas, je sais pas si vous avez entendu un peu la mythologie grecque, si ça vous dit quelque chose, mais c'était full intéressant d'en apprendre plus là-dessus parce que la Crète, c'est la maison de Zeus. C'est ici qu'il a grandi, en fait, quand il se cachait de son père avant qu'il le détrône. Fait qu'il est full comme Dia. Dans le fond, l'île, c'est supposément c'était quoi, babe? Pas des monstres, mais des titans que... ouais, qui avait genre, qui a comme gelé, en tout cas, whatever. C'est comme toute une histoire, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on a full appris hier là-dessus, puis je suis vraiment contente d'avoir vu Dia, c'était vraiment beau. C'est une île qui a été habitée quand, hein? Quand, babe, ça a été habité? Tu remember? Dia? Ouais. Par le Gabby peuple... chill. Salut tout le monde. Par le peuple minoen. Ouais, c'est ça. La lumière, j'étais dans Salouin, fait que la lumière était mieux, mais le peuple minoen, puis là maintenant c'est 00 habité, mais il y a comme des petites ruines qui restaient puis tout ça. Puis c'était vraiment cool, on s'est baigné. Je suis retournée dans Salouin, j'avais a better lighting. On s'est baigné all for the good light. On s'est baigné, on a fait du scuba dive, on a fait un peu de comment ça s'appelle, babe? Ce que t'as fait là? Oh, paddleboard. It was really good. Puis là c'est ça. Après ça, comme je vous dis, tous nos hôtels, tout était wow à date. Mais hier, on a eu genre une des pires nuits de notre vie. L'hôtel où on était, l'air clim, elle a lâché, elle a brisé. Il fait genre 31 degrés ici, OK? Fait qu'il n'y avait pas d'air clim, on était en train de mourir. Genre moi, j'étais toute mouillée dans mon sommeil, puis ça me donnait mal au cœur. Je me réveillais avec des nausées tellement que j'avais chaud. Tu sais, 31 degrés quand t'es dans un genre de tour, OK, puis que t'as zéro oxygène. Je sais qu'il y en a au Québec qui n'ont pas d'air clim. Vous êtes vraiment bons. Moi, j'ai grandi en habitant dans le sous-sol chez mes parents. Fait que chez nous, c'est tout le temps vraiment froid. Fait qu'on n'avait pas d'air clim. Puis en plus, il y a du monde qui sont genre battus slash engueulés à 4h du matin dans le corridor. Puis genre, c'était vraiment, vraiment... Moi, ça m'a vraiment fait peur, fait que j'étais à Gab, je change d'hôtel, comme je reste pas une autre nuit. Fait qu'on était supposé rester 3 nuits à cet hôtel-là. Fait qu'on a fait la première nuit en arrivant, après ça, tu sais, on est allé en yacht, puis genre la deuxième nuit, c'était hier, c'était terrible. Fait que là, on a checké dans un autre hôtel, c'est vraiment mignon, c'est cute, le staff est full fin, il y a genre 2 piscines à cet hôtel-là, fait que ça, c'est cool aussi, on a pu chiller un peu à la piscine. Puis on reste dans le centre, mais comme je vous dis, genre toutes les activités qu'on voulait faire sont full loin, puis on n'est pas dans de faire genre 6 heures de route, tu sais, 3 heures pour se rendre, mettons, au Blue Lagoon ou des trucs de même, puis revenir, tu sais, pour nous, c'est comme ça nous demande beaucoup d'énergie, on est plus en mode genre relax and chill. Fait que là, on est à la piscine ce matin, on est allé chercher du Starbucks, puis là, je me suis get ready, on va aller dîner, puis se promener un peu, puis découvrir un petit peu la ville. Fait que c'est ça le plan. On vient d'arriver à Athènes. Voici notre cute little room.
On suit notre vie parce qu'il fait genre 35 degrés, il fait vraiment chaud. Ça, c'est la salle de bain. Attendez, il faut que je trouve. Ah, ici. Oh, voyons. Ça, c'est la cutie salle de bain. Moderne, full cutie. Puis, the best part, on a ici une petite terrasse. Terrasse area. On va aller voir ensemble. Puis, on voit la ville. Amazing. Je suis tellement excitée, je suis tellement heureuse, je suis tellement pleine d'amour, puis juste amazing. Je peux pas croire that I'm talking to you as a wife. I feel juste toute l'année au complet de préparatifs pour le mariage, de mon mariage dans ma maison, d'avoir vécu cette journée-là sans restriction. Tu sais, on s'entend en janvier, je savais même pas si j'allais pouvoir faire mon wedding ou non. Vraiment, c'était incroyable comme journée. C'était au-delà de n'importe... C'était wow. J'ai pas de mots. J'étais sûre, en plus, j'arrêtais pas de dire à la gare, je suis comme... Tu sais, j'ai hâte de faire une vidéo, genre, ce que j'aurais fait de différent, ce que j'ai moins aimé à mon wedding. Puis pour Besties, tout était parfait. Puis je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est quoi la clé du succès. J'ai jamais d'être une bride-to-be. Puis pourquoi j'ai décidé de vraiment faire un gros vidéo au lieu de deux, c'est que c'était vraiment le flow aussi avec le temps. Tu sais, tout était tellement proche. Le wedding puis la honeymoon, c'était tellement proche que je trouvais vraiment que ça fitait dans le temps de le faire ensemble. Et l'autre chose aussi, pour celles qui sont peut-être nouvelles puis qui me connaissaient pas avant, ça fait déjà plus d'une décennie que je suis sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y en a vraiment qui sont là avec moi depuis le début. Vous êtes là depuis chanson R4, vous m'avez suivi au travers tout ça. Fait que pour moi, c'était impossible que j'amène pas mes besties avec moi à mon mariage. Fait que c'était pour très important que j'aie une équipe média puis j'ai des assistantes qui sont là, parce que c'est vraiment grâce à elles que vous avez toutes ces belles images puis que vous êtes capable d'être là avec moi. Puis je voulais que vous viviez notre wedding ensemble, parce que sincèrement, j'en parlais beaucoup avec Gab pendant la honeymoon, mais ma famille Insta et ma famille YouTube, vous amenez énormément de bonheur dans ma vie. Ça n'a aucun sens comment vous m'impactez dans un day to day, vous me rendez plus heureuse, vous m'avez guérie. Je me rappelle il y a 4 ans, quand je faisais ma dépression puis que j'étais vraiment malade, vous m'avez sauver littéralement. Vos messages, votre amour, ça a changé ma vie, ça m'a beaucoup impacté. Fait que sincèrement, pour moi, c'était comme I have to give back and bring you besties to the best day of my life. Ok, donc là, let's rewind and jump in. Grab a snack and a drink, puis on y va et on jase. Fait que dans le fond, tout a commencé le 23 juin pour vraiment le montage de la salle. Fait que la salle en tant que telle, c'était pas vraiment ce que j'aimais le plus, mais j'adorais la bouffe. Je connais le propriétaire de la Plaza Rive-Sud, c'est un Égyptien, puis je savais que la bouffe was gonna be amazing, amazing. Déjà, on a fait le tasting, je capotais comment c'était bon, puis j'y faisais vraiment confiance. Comme je disais, ma famille le connaît. I knew it was gonna be good. Donc déjà là, je pense que choisir des gens de confiance, à qui t'as confiance, it helps so much for your wedding, parce que t'es capable de let go, because you know you have people to trust. That's a pro tip. Mais bref, tout ça pour vous dire que le 23, on a commencé le montage. Fait que c'était vraiment une journée au complet, puis le 24, c'était la plus grosse journée. Ma planner Catherine est restée genre les 2 jours, elle a fait des journées incroyables pour vraiment s'assurer que everything was good, everything was amazing, puis que tout fonctionne bien selon ce qu'on voulait pour le wedding. Fait que ça, c'était vraiment au niveau des préparatifs. Et ensuite de ça, dans le fond, le 24, Gab et moi, on a décidé d'enregistrer une partie de nos vœux pour la version courte du vidéo, ce que vous avez vu dans notre vidéo de mariage. Et on a filmé quelques clips ensemble. On a tellement eu du fun. Tu sais, toutes les gens qui étaient là à notre wedding, tous nos fournisseurs que j'ai choisis, qu'on a payés, puis que je vous donne en référence, c'est toutes des gens que j'avais tellement confiance. Tu sais, je disais à ma fleuriste, j'étais comme, si c'est pas beau mettre le pot de fleurs à droite, mets-la à gauche, je m'en fous, t'as carte blanche. Je te fais confiance, je sais que t'es bonne, c'est toi la pro là-dedans.
faites qu'est-ce que vous, vous pensez qui est beau. J'ai tellement laissé aller sur beaucoup d'affaires que... Parce que moi, à the end of the day, dans ma tête, pis si vous me connaissez vraiment, vous savez, je m'en foutais un peu, pour être bien honnête, parce qu'à the end of the day, je voulais juste être la femme à Gab. Ce que j'avais le plus hâte, c'était d'être sa femme, puis le moment à la cérémonie qui allait dire « Vous êtes maintenant mari et femme », c'est tout ce qui comptait pour moi. À the end of the day, genre le reste, j'en ai rien à foutre. Tu sais, des fois, je dansais, j'avais peut-être une boule qui sortait, parce qu'écoute, « They're hard to stay in place in the dress », et j'en avais rien à foutre. Je dansais, je prenais des shots, j'avais la best life ever. Nous, notre mariage, c'était vraiment notre party. Genre, c'était, on était invités aussi à notre mariage, et on avait ça dans notre mindset que nous sommes invités, puis c'était pas nous qui hostait, in a sense que, comme, on allait party, on allait live notre best life, on était suants, on dansait partout. À un moment donné, moi, j'ai attaché mes cheveux, j'ai mis une robe, on était nu-pieds avec nos pantoufles que j'avais pour les invités. It was just an amazing energy. Fait que c'était ça qu'on avait en tête aussi comme mindset puis comme énergie. Fait que le 24, on a soupé ensemble à la maison, on s'est commandé notre favorite takeout. On a pratiqué notre first dance, on niaisait, on était legit en pyjama, j'avais mes talons de mariage, puis Gab, ses souliers de mariage, il était genre en bobette avec un t-shirt avec ses souliers de mariage. Puis moi, j'étais genre en gros t-shirt avec mes talons hauts, puis on se pratiquait à danser, c'était tellement des beaux moments. Puis le lendemain matin, on a déjeuné ensemble, on se collait, on se donnait des becs, on a pop une bouteille ensemble, puis après ça, Gab il est parti quand je commençais à mettre mes rouleaux dans mes cheveux. Fait que là, il est parti se préparer chez ses parents, puis moi, je me suis préparée après avec mon frère, ma mère, chez nous, tranquille. J'avais pas mon siège, je mettais de la... Je juste mettais de la grosse musique, puis comme je m'en foutais un peu du reste, si on veut, je savais que j'avais mon assistante qui allait venir chercher mon téléphone. Fait que je savais que, puis elle allait faire du contenu après, puis j'étais pas stressée, content-wise, d'être genre, oh mon dieu, j'espère que je vais avoir des belles photos, puis j'étais comme, ok, I got it covered, I have a team there. Fait que j'ai vraiment décroché, là, comme, je prenais mon petit champagne, j'écoutais ma musique. Puis comme vous savez, nous, on n'a pas eu de demoiselle d'honneur, ni de bridesmaid et tout, donc notre cortège, c'était nos parents. On a vraiment mis en lumière nos parents. Gab et moi, on est très proches de nos parents aujourd'hui, puis on est tellement contents d'avoir une belle relation avec eux. J'ai trouvé ça magnifique. Dans le fond, quand je suis arrivée sur le lieu du mariage, l'entrée à la cérémonie extérieure dans le jardin, c'est nous qui avons écrit notre cérémonie. Donc on a parlé de Dieu, on a eu des poèmes, on a eu des trucs qui nous reflétaient vraiment notre couple, nos croyances, notre culture ensemble, notre culture de couple. Et dans le fond, l'entrée, c'était Gab qui est rentré avec seul. Il voulait vraiment avoir son entrée, puis son frère le suivait. Son frère, c'est son meilleur ami, c'est son témoin. Et ensuite, c'est nos 6 parents qui sont rentrés. Fait que ma mère est rentrée avec son mari, mon père avec sa femme et les parents de Gabriel ensemble. Et moi, je suis rentrée avec mon frère qui est aussi mon meilleur ami et mon témoin, ma demoiselle d'honneur, like, name it, c'était chacun de nos frères. Puis je trouvais que c'était tellement beau qu'on ait nos 6 parents qui marchent ensemble dans l'allée. J'ai vraiment trouvé ça powerful. Puis ensuite de ça, c'était la cérémonie. C'était magnifique. Pour vrai, j'ai rien vu. On dirait, je voyais même pas les gens assis. J'étais tellement gab. C'était mon moment que j'avais le plus hâte. Fait que je voyais personne. Fait que là, on s'est mariés de même. Puis après ça, on a fait la période de photos. Et nous, on a participé à notre cocktail. On a quand même fait une période de photos courte, je vous dirais, parce que je savais ce que je voulais. Puis je voulais vraiment participer au cocktail. Fait qu'on est allé à notre cocktail. On a pu serrer tout le monde dans nos bras, dire allô à tout le monde, profiter. On avait des musiciens. Ça, c'est Gab qui voulait vraiment ça. C'est lui qui avait choisi toutes les tunes que les musiciens, les musiciennes allaient faire. C'était juste wow. Puis après ça, dans le fond, c'était l'entrée en salle. Donc nous, on a commencé le open bar à 6h. Ça, c'était parfait parce que notre entrée en salle était à 6h. Donc les gens ont commencé à rentrer, s'asseoir à leur table, puis nous on a fait une entrée typiquement égyptienne. Donc l'entrée que j'ai faite avec les chandeliers sur la tête, ça c'est vraiment égyptien. Si vous savez, vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai dansé le baladi pendant longtemps. La soeur à ma mère, elle a une école de danse, il y a une troupe de baladi, etc. Puis ça fait vraiment partie de ma vie, de ma culture. Gab m'a vu danser beaucoup, beaucoup de spectacles de danse de baladi. Puis j'ai pas sorti all my moves at my wedding parce que j'avais une longue robe, mais j'ai mes costumes avec mes brassages genre dorés puis tout encore là. Comme j'ai mes ceintures, j'ai toutes mes trucs. So I'm really able to dance baladi. Puis c'est moi qui ai appris à Gab le pas de chameau. Le pas de chameau, c'est le pas de danse quand on est comme ça avec une jambe par-dessus l'autre puis il y a le balancement des hanches. Vous avez vu Gab le faire dans certaines de mes vidéos. C'est vraiment beau parce que ma culture, c'est la sienne. Ma famille, c'est la sienne. Ses parents, c'est les miens. Mes parents, c'est les siens. On dit nos frères. On dit genre... On dit même pas... J'aime même pas dire le frère à Gab, c'est nos frères. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'est de même depuis toujours. Parce que ça fait 11 ans qu'on est ensemble. On se connaît depuis qu'on a 12 ans. C'est ça que les gens oublient, c'est que on se connaît depuis tellement longtemps que c'est comme vraiment une fusion, puis c'était tellement puissant comme wedding. Fait que quand on est rentré, moi pis Gab, on avait tellement a high energy, de genre notre matin, de tout, qu'on a amené notre high energy avec les danseuses, puis les tambours, puis les gens se sont toutes levés, puis les invités ont aussi amené leur vibration, puis leur énergie de feu. Fait que ça a juste fait un gros high dès le début, avant même qu'on s'assoie, avant même que le monde prenne un drink. Il y avait un méga high sur la piste de danse, faisait gros soleil, le monde dansait, le monde suait, on avait du fun.
Puis après ça, dans le fond, le open bar a commencé, comme je vous disais. Fait que tout le monde s'est dirigé au bar. Puis je suis contente parce que j'avais vraiment libéré de l'espace. Hey, désolée, je sais pas si c'est dark. Il fait comme moins clair. Puis je suis devant la fenêtre. Mais c'est ça, dans le fond, les gens sont tous allés proche du bar. Fait qu'ils ont commencé à se parler, à échanger ensemble. Je trouve ça vraiment cool. Puis nous, on était assis à notre table. Puis entre les cinq services, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Gabi et moi, on allait au plein milieu de la piste de danse. Puis notre animateur appelait chaque table pour qu'on ait vraiment une photo avec tout le monde de la table devant notre beau décor. Tu sais, c'était notre table, juste nous deux, notre sweetheart table. On s'embrassait, on se collait, on était vraiment ensemble. Genre, on était ensemble 24/7 jusqu'à la fin du wedding. Jusqu'à 3h du matin, quand on a fermé, quand on est parti, on était nous deux. Fait que c'était vraiment nous le highlight comme of the event. C'était vraiment notre event. Des fois, tu vas à des mariages, t'es comme... Je sais pas comment dire, genre tu vois même pas le mari puis la mariée ensemble, tu sais, tu... Us, our wedding, ooh, the light is back. Us, our wedding, c'était vraiment nous, c'était notre événement, c'était notre party, ça nous reflétait tellement comme personne, puis c'était tellement parfait. Nos pères ont fait un speech ensemble, mon père et le père à Gab, c'était magnifique, un speech en conjointement, c'était... Oh, c'était wow! Tu sais, le monde nous en a reparlé après tellement qu'ils trouvaient que c'était beau. Puis moi, puis Gab aussi, on a fait un speech. On a pris le temps de préparer un speech ensemble. Tu sais, dans le fond, on a fait, après les speeches, on a fait la danse père et fille et mère et fils ensemble. Après ça, c'était notre première danse sur la chanson Speechless avec les feux d'artifice. Et ensuite de ça, les danseuses de Baladi sont revenues faire un spectacle, une chorégraphie pour vraiment re-amener cette énergie-là et aller chercher tout le monde après pour danser. Fait que ça a juste, dans le fond, l'énergie là-bas était là à genre 6h, puis ça a été maintenu jusqu'à 3h. Les gens allaient chercher des drinks, les gens se parlaient, c'était malade, il y avait le spinning boot, table sucrée, table de cochonnerie, genre poutine, burger, everything, it was a feast. La bouffe, tout le monde nous en a parlé comment c'était next level bon. Les drinks, ça coulait à flot, on a des plateaux de shooters qui circulaient, c'était juste débile. J'avais des pantoufles, comme je disais, pour les filles, des bonbons personnalisés. It was just the best day ever. On a dormi genre 2 heures gap et moi, parce que quand on est revenu à la maison, on était juste tellement contentes, tellement sur notre nuage. Puis après ça, le lendemain matin, on avait notre boozy brunch. Parce que vu qu'on a des invités qui viennent un peu plus loin, je suis vraiment contente d'avoir fait un boozy brunch pour vraiment prendre le temps de voir tout le monde. Puis le 27, on est parti en honeymoon. Puis là, c'est ça que je vais vous parler un peu. J'ai noté toutes mes références. D'ailleurs, toutes mes références du wedding et tout, je vous en ai déjà beaucoup partagé. J'en ai partagé aussi sur Insta, vous pouvez voir, c'est tout le temps dans mes highlights. Mais pour la honeymoon, je voulais vraiment parler dans le vlog parce que j'aime ça vraiment terminer mon voyage, penser, revenir, puis dire « Ok, ça c'est ce que je recommande. » Parce que ce que je vous recommande, c'est ce que je rebookerai, puis les gens avec qui je retravaillerai et les lieux auxquels je retournerai. Donc, je veux tout le temps que vous sachiez ça. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, l'itinéraire, on a fait 3 nuits à chaque place avec 4 jours environ. Des fois, c'était peut-être un petit peu moins que 4 jours complets, dépendamment des ferries. Comment qu'on a réservé? On a vraiment réservé les vols en premier. Tout ce qui est les vols, puis c'est avec notre agente de voyage. Moi, j'adore travailler avec une agente de voyage pour mes vols parce que j'ai comme quelqu'un, si quelque chose va pas bien, c'est elle qui s'occupe pour moi de faire tous les appels pas le fun, genre quand ils cancellent ton vol ou de même. Puis elle s'appelle Catherine, ça fait vraiment longtemps que je travaille avec elle. Je travaille avec elle depuis 2018 que je travaille avec elle. Fait que je l'aime beaucoup. Et ensuite de ça, moi j'ai réservé, tu sais, Catherine elle me connaît, elle savait un peu qu'est-ce que j'aimais, elle m'avait suggéré des hôtels, puis moi j'ai vraiment trouvé mes hôtels. Fait que je pense vraiment que tu bookes tes transports, tu bookes tes ferries, puis après tu bookes tes nuits. Moi je pense que c'est ça le best, puis c'est tout ce que j'avais de booké pour la honeymoon. Ça fait longtemps la honeymoon que c'est en préparation. On a réservé des trucs de la lune de miel avant même d'avoir commencé les préparatifs du wedding en août dernier. La lune de miel, on a un compte voyage, moi puis Gab, puis c'était vraiment, on avait des économies pour un voyage de rêve, puis c'était vraiment la lune de miel, notre voyage de rêve, honnêtement. On s'est gâté, on s'est payé la traite, pour vrai, ça valait tellement la peine. On a profiter de chaque minute et instant. Fait qu'on a commencé à Santorini. Dès qu'on est arrivé à Athènes, on a eu un vol tout de suite pour la Santorini. On est allé au Santorini Secret Premium. Puis désolée si je regarde en bas, c'est que j'ai my notes. Et c'était à Oya. J'ai vraiment trouvé que Santorini, c'est très romantique, c'est très chic. On a Milo sur moi. You wanna say hi to the besties? Hi. Say hi, besties. I'm always on my mommy parce que je l'ai pas vu pendant 3 semaines. Il voulait me coller tout le temps sur moi. Fait que là, ça se peut que je dois condamner un bras parce qu'il faut tout le temps qu'il soit couché sur un bras. Oh, puis il ronfle. Fait que bref. Ça veut dire qu'après ça, est-ce qu'on était à Oya dans le fond, à Santorini. Puis à Oya, c'est très, très, très touristique. Fait que je vais juste vous préparer. La seule chose que moi j'ai moins aimé, c'est que du trafic pour marcher. Genre littéralement, il y a beaucoup de monde. Fait qu'une chance que j'avais comme ma petite suite privée. Mais tu sais, malgré la quantité de gens, j'ai jamais attendu pour une table à un resto. Si tu veux faire une activité, t'es capable. Stressez pas avec ça. Puis moi, ce que je voulais vous recommander, dans le fond, 3 restaurants. Fait que sortez vos notes.
Take note, besties. Premier restaurant, c'est le 218 Degrees. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. 218 Degrees, c'était un dîner avec la vue. C'était vraiment simple, la bonne bouffe traditionnelle grecque. Puis, tu te trompes pas avec ça, tu commandes la salade grecque, tu commandes la tzatziki, puis t'as the best dinner ever. Ensuite de ça, j'étais allée au Nocturna. Fait que Nocturne, comme t'écrirais Nocturne, mais avec un A. Nocturna. Vraiment, vraiment bon aussi. Puis le troisième, c'est le Thalami. T-H-A-L-A-M-I. T-H-A-L-A-M-I. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Puis si, même si vous écrivez Thalami, pas comme tout le monde, si vous allez trouver à Santorini, Oya. Love that! C'est mes recommandations. Ensuite de ça, je suis allée à Mykonos. Mykonos, étonnamment, ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais pas autant aimer Mykonos que ce que j'ai aimé de Mykonos. J'ai vraiment aimé Mykonos. Je pensais pas autant l'aimer. Je suis allée au Mykonian Kima Hotel. Ça, ça s'écrit M-Y-C-O-N-I-A-N. Kima. K-Y-M-A. Hôtel à Mykonos. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, j'ai été au Super Beach Club Paradise que je vous recommande. Puis, la deuxième place que je vous recommande, c'est le Noah qui était le restaurant de mon hôtel. Toutes mes autres restaurants que j'ai vus à Mykonos, je les ai même pas pris en note parce que j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé de best spot à Mykonos. Mais ceux-là, loved it. Ensuite de ça, j'étais allée à Ios. À Ios, dans le fond, je suis restée au Ios Grand Suite. Puis c'est le sister hotel du Ios Grand. Genre, ça s'écrit grand comme en français. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est le Milos Potas Beach. Ok, by the way, besties, je vais juste vous montrer que Milo, il a mis sa tête. Oh, il avait mis sa tête dans mon coude. C'était trop cute. Ok. Milos Potas Beach, j'ai vraiment aimé ça. Et le Tomatini, tomate, qui est écrit tomate, I-N-I enfin, c'est comme le restaurant dans le fond du Ios Grand, qui était le sister. Il vient de remettre sa tête, mon cœur. Oh, je l'aime trop, ok. Excusez, je suis tellement déconcentrée, mais je l'aime tellement, ça va pas de mon sens, il est tout le temps sur moi. Fait que le restaurant de mon hôtel, je vous recommande vraiment, j'ai mangé là tous les jours, trois fois par jour. It was so good, j'ai vraiment aimé la bouffe. Fait que même si vous restez pas à cet hôtel-là, vous pouvez aller eat the yummy food. Next, je suis allée à Paros et l'hôtel que je suis restée, c'est le Paros Spa Luxury. Puis je vous nomme les hôtels que je suis restée que je retournerais. Fait que je rebookerais exactement le même hôtel. J'ai vraiment aimé la plage Santa Maria. Puis il y a plein de beach bars que vous pouvez aller. Moi, j'étais allée au premier Santa Maria Beach Bar. Puis j'ai beaucoup aimé le restaurant Luaz. L-U-A-Z. Je me rappelle plus exactement le village. J'hésite entre Naoussa ou l'autre. Puis ce que j'ai vraiment aimé de Paros, c'est qu'on avait loué un 4 roues. Fait qu'on se promenait de village en village. Puis je trouvais qu'il y avait moins de touristes. Puis plus de locaux, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Paros. Mykonos puis Paros, c'était comme mon top 2. Ensuite, je suis allée en Crète. La Crète, j'ai détesté mon hôtel. J'ai vraiment pas aimé les restos. J'ai vraiment pas tant bien mangé que ça. Mais j'ai adoré ma journée de yacht. Ça, j'ai été vraiment mardeuse parce que toutes nos activités, comme je disais, on le bookait le jour même. Fait que le yacht, en fond, c'est un yacht qui font des nuitées, puis tu restes 3-4 jours là-dessus. Mais là, il faisait pas beau. Puis il avait été cancellé, fait qu'on est allé les voir, on a juste marché littéralement sur le quai, okay, on se promenait sur le bord des quais à Héraklion. Puis on a vu ce bateau-là, puis j'ai juste demandé au monsieur, je suis comme, oh, on aimerait vraiment ça faire un sunset tour. Sunset tour, c'est normalement c'est 4 heures, mais j'ai dit, on aimerait ça avoir 5 hours. Fait qu'il me dit, oh, je demandais à ma patronne si c'est possible, fait qu'ils nous ont comme fait un custom plan juste pour nous deux parce qu'il faisait pas beau, il y avait genre des nuages, mais il y avait comme pas un bateau sur l'eau, puis après ça, il y a fait gros soleil, qu'on a été vraiment mardeux. Je peux vous donner la référence de la compagnie de yachts, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, mais comme je vous dis, c'est comme plus des yachts pour dormir, pour passer 3-4 jours là-dessus. Moi, j'ai été vraiment mardeuse, donc ce que je vous conseille, c'est juste de vous promener sur le quai, puis il y en a plein des bateaux avec des pancartes, puis qui disent « Sunset Tour », whatever, vous en choisissez un, vous allez les voir, puis vous pouvez booker pour le lendemain. Toutes nos activités, on les a bookées soit la veille pour le lendemain ou le jour même. Ça, c'était littéralement pour le lendemain. Puis ensuite de ça, on est allé à Athènes, on a dormi au Coco Mat Hotel. Je retournerai à l'hôtel, j'ai vraiment bien dormi, je trouvais que c'était super mignon, puis c'était en plein central de tout, fait qu'on marchait pour aller à l'Acropolis, on marchait pour aller partout. Pourquoi j'ai pas aimé la Crète en fait, c'est que j'ai pas assez fait mes recherches, j'avais pas réalisé à quel point c'était gros. Puis pour le temps que j'étais, puis Gab et moi, on voulait pas louer de voiture. On a juste loué une fois en 4 roues parce que sinon le reste, on marchait tout le temps. On aimait marcher. On adore marcher en vacances. Puis tu sais, tu découvres encore plus des petits spots quand tu marches, puis tu vois des petites ruelles, tu vois des petits recoins. Fait que je trouvais que la Crète, tous les beaux spots que vous, besties, vous me disiez sur Instagram, and all the amazing places, c'était tout genre 3 heures pour me rendre, 3 heures pour revenir. Fait que pour moi, faire comme 6 heures de route pour aller voir une plage, c'était pas dans mes plans de honeymoon. Fait que c'est pour ça que la Crète, j'étais déçue, puis je trouvais vraiment que Héraklion, genre c'était sale versus Athènes. Tout le monde me disait, oh, tu vas voir Athènes, c'est vraiment dégueu. Genre, je trouvais qu'Athènes, c'était vraiment wow comparé à Héraklion. J'étais vraiment genre dans la capitale de la Crète. Puis sincèrement, j'ai vraiment plus aimé Athènes. Puis à Athènes, je me suis souvent demandé, en fait, comment j'ai réservé pour voir un spectacle dans l'Acropolis. C'est que
tu peux faire la version compliquée que moi j'ai faite. C'est-à-dire, j'ai été en ligne, puis j'avais regardé pour des billets en ligne. Puis j'ai écrit vraiment Online Ticket, Odeon, Atticus Theater. Puis le premier site qui est arrivé, c'était un site grec, genre Buy Ticket, See Events Here, genre une affaire de même. J'avais suivi tous les liens, puis j'étais genre sur Google Translate parce que c'est juste écrit en grec, puis j'essayais de trouver comment acheter les billets, puis ça m'a pris genre vraiment beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps, tandis que le jour même, quand j'étais allée, il restait plein de billets. Puis la madame, elle me disait, on a souvent des spectacles, parce que moi, c'était le festival d'Athènes quand j'étais allée, fait qu'il y a des spectacles à chaque soir. Ça dépend quand vous y allez. Moi, je savais qu'il y a des spectacles tous les soirs, puis elle me disait, tu sais, on n'est jamais sur d'autres. Il y a tellement de place dans le théâtre, ok, parce que c'est hyper rapide de même, là. Fait qu'il y a tellement de sièges assis. À part si c'est comme une méga célébrité, tu sais, ça va pas être booké nécessairement. Fait que je vous conseille juste d'aller au comptoir, puis d'acheter votre billet sur place, parce que je pourrais même pas retrouver le site, puis vous donner la référence, tellement que ça m'a été compliqué de me rendre à ce site-là. Puis il y a plein de monde qu'on a rencontré qui ont juste visité l'Acropolis, ils ont vu le théâtre, t'es comme, oh mon dieu, j'allais voir un show, puis ils ont acheté le ticket, là, sur le comptoir. Fait que, puis il y avait encore plein de tickets available, fait que c'est vraiment pas stressant. Puis nous, on est allé voir, c'était un orchestre. De Rose Dali, que je me suis dit après dans mes DM qui était quand même connu. Moi je connaissais pas cet artiste là, mais c'est un artiste grec assez connu justement. Il fait plein d'instruments à cordes. C'était assez impressionnant parce qu'il y avait plein d'instruments que j'avais jamais vu de ma vie. Moi puis Gab, on était sur Google, après on était genre c'est quoi cet instrument là. Tu sais, Gab il adore la musique, mais oh, il y a des instruments que j'avais jamais vu. Mais je trouve ça super beau. C'était vraiment un bel orchestre. Donc ça a bien fini notre lune de miel parce que ça a juste fini sur une super belle note. Puis à Santorini, on s'était fait donner comme cadeau de mariage un massage puis un wine tasting. J'avais dit à une de mes amies que j'allais aller à cet hôtel-là qui était comme le premier hôtel. Elle me l'avait demandé par où tu commençais. Je m'étais pas posé de questions. Puis après ça, au wedding, quand j'ai reçu dans la boîte de cartes, j'ai regardé la carte puis on avait ce cadeau-là. Puis je trouvais tellement que c'était intelligent parce qu'on s'était prévu aucune activité. Tu sais, toutes nos activités, tous les trucs qu'on a fait, c'était vraiment sur le moment même. Fait que ça, j'ai rentré, c'était un bon cadeau. Fait que c'est pas mal ça au niveau de mes recommandations. J'ai vraiment fait deux Q&A sur Instagram. C'est des trucs particuliers que vous voulez savoir. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de refaire my wedding glam parce que vous aviez vraiment aimé ça. Tu sais, ma robe de mon mariage, c'était vraiment a timeless chic wedding dress, silk. Il y avait tous des petits diamants beaded dessus. Puis tout ça. Puis tu sais, il y en a vraiment beaucoup qui ont aimé mon look. Merci tellement, bestie. Je suis contente que vous aimiez ça parce que c'est sûr, c'est pas pour tout le monde le look. Genre intemporel, c'est vraiment la mode en ce moment, les robes en dentelle puis tout ça, puis j'adore, je trouve ça magnifique, mais for me, I love a classic silk gown. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si vous voulez que je refasse mes cheveux et mon make-up, comment je l'avais fait, vous me le direz. Puis c'est ça, je veux vraiment prendre le temps de répondre aux questions individuellement, puis voir qu'est-ce que vous vouliez savoir aussi, mais sincèrement, le meilleur truc que je peux vous donner, si vous êtes a bride-to-be, c'est de vous écouter. Moi, je pense que c'est pour ça que ça a fait que notre wedding, c'était un succès, c'est qu'on n'a rien fait, on n'a pas invité une personne que ça ne nous tentait pas, on s'est pas forcé de faire des choses, puis au début, ça causait des malaises, parce que moi, quand j'ai dit « j'ai pas de demoiselle d'honneur », mes amis étaient comme « ah! » Comment c'était? Il y a plein d'affaires de même que j'ai pas fait, tu sais, j'ai pas marché avec mon père, non, j'ai marché avec mon frère, j'ai fait beaucoup de choses non traditionnelles, je me suis pas mariée à l'église, tu sais, beaucoup de trucs comme ça que c'est vraiment nous. On s'est écoutés, puis on a choisi des gens qui avaient notre vision en tête, fait que pour vrai, c'est ça qui faisait tellement un succès, notre énergie, notre amour, je crois vraiment que notre énergie, notre amour est magique pour vrai, puis c'était juste... C'était tellement magique, puis on a passé tellement un beau voyage, on était crampés, on riait, on a eu tellement de péripéties que je veux garder juste pour nous. Tu sais, oui, je partage beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses que je garde aussi pour moi parce que je veux protéger cet amour-là, je veux garder ça, puis chérir ça proche, proche, proche. Puis je me considère tellement chanceuse, je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre ça, mon rêve, d'être là aujourd'hui. Tu sais, je me dis « good job » parce que je me rappelle de moi dans mes mauvais moments. Puis je suis capable de m'imaginer, là, je suis comme, ah, tu te rappelles du monde, puis genre, tu faisais ton inséminé, puis nanana, puis je me rappelle. Puis là, aujourd'hui, je me vois, puis je suis comme, j'aimerais tellement ça dire à cette mode-là, you're gonna have an amazing home, a safe space, you're gonna cleanse your life, your friend group, you're gonna have your dream wedding, the beautiful sun shining in the air. C'était le premier samedi de l'été qui faisait gros soleil. Il n'y a pas eu un samedi qui a fait soleil jusqu'au samedi le 25 juin. Puis c'était juste best date ever parce que nous, on a choisi une date de mariage. Et ça, je me suis fait demander sur Insta par une autre bestie qui date un résident comme moi. On a choisi notre date de mariage en deux stages de Gab pour être capable d'avoir un long congé. Fait que c'était pour ça la date du mariage qu'elle était vraiment choisie crucialement par rapport à ça. Puis on a décidé que maintenant notre nouvelle date, fait que notre anniversaire, vu que la première fois qu'on s'est donné un bec ever, c'était le 23 juillet 2011,
Puis qu'on s'est mariés le 25 juin, on a juste dit que comme notre date de notre anniversaire et de mariage, on allait juste combiner ça, puis ça allait tout être le 25 juin qu'on allait célébrer nos années d'amour et nos années de mariage. Donc c'est ça, besties. J'espère que vous avez aimé autant que moi, puis autant que Gab. Puis on est tellement chanceux de vous avoir, on vous aime tellement. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai hâte de vous revoir dans le prochain Weekly Vlog. Home updates, cours updates, routine, make-up, all that good stuff. Puis on se revoit dans le prochain. Bye, besties.